Bonjour et bienvenue sur Lagata TV, vous êtes en présence du Droid Tech et vous êtes sur Clan O'Connell, l'épisode 2. J'espère que vous allez bien, ça sent bientôt les vacances, l'été est là et c'est impeccable. Donc du coup la dernière fois on s'est laissé là, c'est-à-dire on va pouvoir donner quelques points à un de nos guerriers. On va voir à qui on va le donner, parce que du coup j'avais regardé ça vite fait mais je ne m'étais pas plus mis dessus. Point de fureur volant, donc là on peut le donner au balourd, mais j'ai envie de lui donner à lui pour le moment et on verra lui ou lui, mais celui-là il est bien badass déjà. Donc c'est une mise à niveau, élan de guerrier, assaut aérien, plus 20%, le salto d'esquive, oh, on va donner là. Voilà, comme ça c'est fait, puis on va faire au fur et à mesure. Donc on continue l'aventure, donc épisode 2, Clan O'Connell and the Crow of the Stack, la couronne de serre. Donc si t'as pas vu l'épisode 1, ouf, cette chute m'a épuisé. Son pont, la seule manière de l'attraper est de suivre les routes basses à travers le marais. Quel canon, c'est de la folie. Nous serons attrapés par ce démon à chaque étape du chemin. On est là pour l'autre. Aguish, n'aie pas peur de moi. Du coup, si t'as pas vu le premier épisode, je te conseille d'aller le voir. Et c'est un excellent jeu. Personnellement, je kiffe. Voilà. Voyons, voyons. Qu'est-ce que c'est? Trois O'Connell à la tête molle hors des sentiers battus. Ouais, voilà, on va le niquer, on va être tranquille. Donc je vais essayer d'en faire le fil rouge. Ah, là déjà il m'a bien kill. Là je l'ai eu, impec. On va se faire un petit niveau, tranquille ou bilou. On va se prendre la tête. Entre nous. Et là il y a quoi là? Brave guerrier, personne ne peut nier votre esprit, mais le chemin que vous empruntez est trop dangereux pour un simple mortel. Bien que je sois passé dans le linceul de la mort, le pouvoir que je possède encore peut toujours vous aider dans votre enquête. Kill canon, je t'accorde l'attaque éclair, tranche en ligne droite pour couper. Là, kill canon, je t'accorde l'attaque éclair, tranche en ligne droite pour couper la végétation et éliminer des ennemis devant toi. C'est l'unique solution pour continuer ton chemin. Eh bah écoute, un petit power-up, on prend. Hein. Et bah c'est fait. Ah d'accord. Donc le X n'était pas assigné tout à l'heure, maintenant il est assigné. Lancez-vous à travers les vignes pour vous propulser. Ok, ah oh, c'est pas mal ça. Par contre, j'ai vu un truc là-haut, mais je sais pas si je pourrais. Je peux pas y aller. Pour l'instant, je ne peux pas y aller. Hop. On va essayer de bien viser. Waouh, magnifique. Il y en a un. Ah, je crois qu'il y en avait un là-haut, mais non. Donc là, il va falloir refaire ça. Non, ça devient vraiment badass hein. Pouvoir le faire comme ça tout le temps là. Ah là, et là. Donc j'avais expliqué hein. Il y a le swap de personnage. Et là on le kill en 2-4-6 hein. Franchement. Donc là je joue avec X et avec Y à chaque fois. Là je pense que c'est pour le lourdeau. Voilà. Pour contourner et réfléchir les projectiles. Ok. Ça on le savait déjà. Allez casse-toi. Et là j'appuie toujours sur X. Il n'y a pas de problème de ce côté là. Je sais pas si je prends le kill comme ça. Je vais voir. J'attaque. Mais franchement le jeu il est vraiment vraiment prenant. Ça va, on peut pas mourir. Pour l'instant, c'est bien. Hop. Pas trop besoin de se concentrer. Ça, ça fait plaisir. Merde. Je mourus, je mourus. Allez, casse-toi. Ah, on va mourir, là. Ah, je vais mourir. Par contre, je suis pas passé par là. C'est pas trop trop grave. Là, ça coule. Ah oui, ça coule. Donc, on n'a pas masse temps. Ça, c'est fait. Lui, je sais pas si je vais pouvoir le Kenny comme ça. Je pense pas. Hein. J'ai un doute. Hein. Par là, ça me donne rien. D'y aller. Là ça va beaucoup plus vite. Wow, par contre je prends un tarot là.
Oh, j'ai pris bien cher. Un peu trop cher à mon goût. Donc la mise en relation toujours des trois pour pouvoir avancer sereinement. Et là, il y a du monstre en haut, il y a du monstre en bas. Allez, je les attaque. Je sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Ça, c'est fait. On est tranquille aussi de ce côté-là. Hop. Ah, c'est bien avec le niveau monde crescendo, franchement, moi ça me botte. Est-ce que lui va me faire chier? Non, c'est pas. Ouais, non, c'est bon. Voilà, je voulais pas aller trop. Et là, je pense pas parce qu'il y a des épines, donc ça sert à rien d'aller là-bas. Par contre, à quoi ça va me servir après? Ah, il y a un truc là. Mais je sais pas si celui-là va servir à quelque chose. J'ai un doute, on va essayer quand même. Non, celui-là c'est que pour celui-là. Et maintenant il y a un time, hein, vous avez vu. Alors, celui-là serait bien pour celui-là, je pense. On l'attaque. Donc là il y a un œil. J'ai un doute là. À mon avis, peut-être une grosse bébête. A voir. Là, il y a un truc, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais essayer de lui tirer une flèche. Ça a pas l'air de marcher. Oh là, oui. D'accord, bah, c'est tout ce qu'il fallait faire. Lui tirer dans l'œil. Et je pense qu'il y a un time aussi. Ça, c'est chaud par contre. Ah, par contre, là, ouais, ça devient. Viens par là, toi. Le gros il est bien mais là il a un peu de mal. Oh putain. Alors on va essayer d'attaquer. Hop, on esquive. J'aurais plus de vie. Non je pense pas. C'est bon je l'ai eu. Le balou il est quand même super balèze. Enfin ouais c'est son rôle hein, mais il est bien balèze comme il faut. Et ça ça fait plaisir. Ok, donc là on est sur un. Ah ouais, donc là il faut jouer avec elle. Voilà. Tout simplement. Assez basique, mais ça fait plaisir. Par contre là, mauvais timing. Peut-être le payer. Ah! Ouais, je vais le payer. Ouais. Faut que je reste avec elle, pas le choix. Et voilà, ça c'est fait. Super, mais c'est pas ce que je voulais. Tant pis. Donc ça joue comme ça. Ah là là. Il va se passer. Ah ok. Là c'est à moi de le faire. Super. C'est assez simple. Impec. Petit casse-tête qui fait vraiment plaisir. Du coup. Là, il faut le gros balou. Ouais, ok. Donc là, il y a autre chose. Donc il faut aller chercher le truc là-haut. Ça, c'est sûr. Il y a un truc à faire.
Bah, ça me donne quoi? Voilà. Là, il me faut le gros ballot pour pousser pour aller là. Ah, j'adore ce moment de casse-tête là. Par contre, comment je vais pouvoir faire? Ah, ok. J'ai trouvé. Parce qu'il va falloir que je pousse ici. Ensuite, je prends elle. Voilà. Et là, le gros balou. Ça, c'est fait. Et je déverrouille. Voilà. Ça fait plaisir. Par contre, là, ça fait pas plaisir du tout. Pour l'instant, c'est beaucoup orienté avec la nana. Au niveau du jeu de la... Là, j'aurai celle kill. Assez facilement. Ça fait plaisir. Par contre, là, non, c'est pas ce qu'il me faut. Là, j'essaie de les attaquer sans prendre trop de damage. Pas facile. Là, j'ai pris un petit peu de tarot. Enfin, j'ai pris qu'un dégât depuis tout à l'heure, ça va quoi. On continue. Hop. Par contre, là, s'il y a lui. M'occupe d'esquiver en même temps d'attaquer. Le mieux c'est d'avoir toute la bande de saucisses ensemble là, mais c'est pas facile. On arrive à mettre des bons coups, mais ok, nickel. Ouf, oh, ça pue ça. Ah oui, d'accord, il y en a encore. Ça c'est fait. D'où le fait de bien donner ses pouvoirs quand il faut. Hein. Parce que sinon... Ça rend plein. Et là on va switcher avec la nana. Ce qui pourrait... C'est fait. Et voilà. Bon, il suffisait juste de se concentrer. C'est pas trop compliqué. Donc là j'ai XX. Voilà. Ouais, casse-toi, toi. Oh, pourquoi j'ai pris ta roue? Avec la nana, c'est super bien, mais par contre, avec le mec, c'est un peu galère. Et là, tu t'aperçois que le jeu n'est pas trop punitif, puisque du coup, tu peux aller dans l'eau sans que ça te galère comme pas possible. Ça, c'est super bien. Du coup... Là, par contre, il y a un truc que j'aimerais bien aller voir. Hop. Merde. Bah ouais, autant y aller. Oh, il donne quand même des méchants coups, hein. Voilà, tu vas dans l'eau, tu peux quand même... C'est pas trop punitif, ça fait super plaisir. Et c'est super plaisant à jouer. Niveau maniabilité et tout, il n'y a rien à dire. Ah, t'avais pas essayé de m'avoir. Hein. Donc là, il y a un truc à jouer là-haut. À moi de trop deviner. Oh putain. Ah, j'en étais sûr. Donc là, on va continuer. Hop. Ah, trop tôt. C'est une galère, ça. Voilà.
on continue. Continue, hop. Donc là, il va falloir rejouer avec ça. Là, il va falloir switcher. Oh putain, je vais prendre ta roue là. Ah bah tiens, ça c'était à prévoir. Du coup là, comment? Ah oui, c'est dès qu'on passe là-dedans. D'accord. Voilà. Là, c'est synchro total. T'as pas le choix. Tu n'as pas le choix pour la synchro. Bon, lui, c'est ragdale. Hein. À part gueuler, c'est tout ce qu'il sait faire. Là, on est sur, je sais pas quoi, un truc bizarre. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Là où il y a un truc, mais je vais pas pouvoir l'attendre là, je pense pas. Ah si, mais non. Rien de changé. Ah ouais, là, il y avait lui. Que j'ai pas. Ok. Donc là, c'est ce qu'on voit. Hein. Si tu veux jouer comme ça, je vous l'avais pas montré le premier épisode. Switcher un peu mal au point, Ginette. Hein. Ah, quand même, un peu mal au point. Ah, petite musique qui est petite musique qui fait du bien là dans les oreilles. Du coup, par là, je sais pas ce que ça me donne d'y aller. Ah, ouais, d'accord. Merde, un peu de mal quand même. Hein. En bla 1. En bla 2. Là où j'ai vu un truc. Ah, c'est peut-être juste de la récolte. Pour moi, ça doit être ça. Voilà, c'était ça. C'est obligé. Ouais, je peux tricher comme ça. Là, c'est pour le ballot. Du coup, ce qui me fait redescendre. Voilà, sur ça. Tac. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, pour passer en vue comme ça. Allez là-haut. Ah, il y avait un truc là-haut. On va y aller. On va aller voir ça. Ouais, on va aller voir ça, mais non. Non, 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 je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. S'il y a une raison pourquoi on revient là. I think. Voilà, c'est pour ça. Alors, évidemment. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. Il n'y a pas de problème. Je peux le faire. Je le trouve un petit peu plus pâteau, celui-là, ce personnage-là maintenant. Bizarre. Ok, donc là, peut-être qu'il va falloir ça. Pour le péter en bas. J'avais bien vu que c'était cassé en bas là. Il y avait un petit truc. Et nous, on va l'accompagner. Pour continuer le niveau. Et bah voilà, c'est terminé. Et bah dis donc, ah, presque tout. On pourra faire un petit run, mais c'est pas non plus... Donc là, on va donner ça à elle. Donc du coup, on va lui donner un petit peu à elle, si on peut. Mais là, 324. Voilà. Comme ça, c'est fait, on est tranquille. Et voilà pour l'épisode 2 de Clan of O'Connell and the Crow of the Stag sur Nintendo Switch. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.